Yo tout le monde, c'est Maxence sur la Dragon Ball Z. Aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo, c'est sur ma collection de Nintendo GameCube que j'ai. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier mes 16 abonnés de vous avoir abonné. Donc ça m'a fait plaisir, merci. Je vous remercie du fond du cœur énormément. Et voilà. Donc nous allons commencer par Protenis Watour. Un jeu très bien, jeu de tennis. Mario Kart Double Dash, exclusivité sur Nintendo GameCube. Très bien ce jeu. Wario World. Alors j'étais un peu déçu par ce Wario World. Donc je vais vous dire, j'étais un peu déçu par Wario World parce que je trouvais que c'était pas trop bien. Il n'y avait pas plus d'action dans les films. Mais bon, c'est un jeu quand même de pour les petits-enfants. ATV Camp Power Racing 2. Voilà, très très bien ce jeu. Comme Joe, Cross Volley. Kamen Kalaru et voilà. Tony Hawk. Tony Hawk. Tony Hawk. Amirit Wonstell. Très bien. Sonic Heroes. Voilà, une exclusivité sur GameCube. Truck Rim. Street of Law. Voilà. Day of Run. Voilà. Il m'a pas coûté très cher. Mais bon, en tout, celui-là, 10 euros. Bon baiser de Russie, 007, 5 euros. James Bond, 007, kit ou double. Voilà. M'a payé 3 euros ce jeu, pas trop cher. Alors, Madden 2000. 2003, très bien ce jeu. 4,80 euros, 90. Madden 2005, très bien. Le Roi Scorpion, pardon, le Roi Scorpion. NBA Live 2002. NBA Live 06. NBA Live 004. Après, Nesurpin Endergrom. Voilà. Disney présente un film Pixar, Les Indestructibles. Les Simpsons, Hit Run. Alors ce jeu, j'étais beaucoup content parce que celui-là, c'est comme un GTA, c'est comme Truck Rim Off là. J'étais très content. Par contre, il m'a coûté 45 euros. Donc voilà. Donc accrochez-vous le porte-monnaie pour le payer celui-là, hein, d'occasion. D'occasion, neuf. Je l'ai acheté neuf. UEFA Champions League 2004-2005. Voilà. Ah, mon jeu préféré, je l'adore, je les adore. Donc là, nous allons commencer par Dragon Ball Z Budokai 1 et Dragon Ball Z Budokai 2. Alors, ce Dragon Ball Z Budokai 2, c'est les meilleurs des Budokai. Moi, j'ai essayé Dragon Ball Z Budokai 1. Il était bien, très bien ce jeu. Le 2, je l'ai adoré. La vie de ma mère, j'ai adoré. Merci de me l'avoir envoyé par colis. Donc ce jeu c'est une exclusivité, je vous conseille de l'acheter. Par contre, je l'ai acheté neuf. J'ai acheté neuf, donc il coûtait presque vers les 50 euros. Hein. Mais bon, j'ai eu de la chance de l'avoir. Naruto Clash of Ninja 2 sur GameCube. Voilà. Il me semble que j'en ai un autre. Ah oui, voilà. Voilà. Alors, Naruto Jigeki Tenkaichi Ninja 3 sur GameCube. Donc, pour l'activer ce jeu, il faut un freeloader pour l'activer. Donc, moi avant j'avais Naruto Jigeki Tenkaichi Ninja 4, mais bon, moi j'étais un peu déçu, donc je peux faire Naruto Jigeki Tenkaichi Ninja 3. FIFA Football 2005. Voilà. Une seconde, je reviens. Excusez-moi. Donc, Coupe du Monde FIFA
2002. Voilà. Fight Night Round 2. Et nous terminons avec le plus grand jeu du monde que j'aime du tout. Que j'aime. Haha. Le jeu de catch. Ce jeu. Très très bien. Donc je ferai une vidéo parce que je vais avoir dimanche. Je vais avoir un jeu de mon oncle. Il s'appelle Rocky Balboa sur GameCube. Et je vous conseille d'être là à l'heure. Hein. Allez. Alors, voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Vous pouvez la commenter, la partager, tout ce que vous voulez. Par contre, mettez-moi un like, ça me ferait énormément plaisir. Et abonnez-vous. C'était Maxence Sora. Allez, ciao !